Même si cela peut être surprenant, Nintendo a beaucoup de RPG à son actif, même certains faits en interne. L'arrivée de Monolith Soft s'est révélée être un booster du genre, et franchement on ne dit pas non. Avec le succès atteint avec le premier opus de Xenoblade, Nintendo n'a pas laissé de côté la possibilité de recruter le studio pour l'aider dans d'autres jeux, ce qui a même abouti à un effort conjoint pour créer Zelda Breath of the Wild, arrivé cette année sur Switch et Wii U. Comme Xenoblade Chronicles X n'était pas sorti depuis longtemps, c'était alors avec une grande surprise quand Monolith avait relevé que leur prochain jeu serait Xenoblade Chronicles 2 et qu'il sortira en fin d'année 2017. Contre toute attente, la Switch est devenue un succès retentissant cette année. Xenoblade Chronicles 2 va-t-il terminer l'année 2017 en beauté? Réponse en images. Étant grand fan de RPG, mes attentes vis-à-vis du jeu étaient élevées. J'ai essayé de rester loin de tout trailer et spoiler éventuel pour rendre mon expérience encore meilleure. Tout au long de ces dizaines d'heures de jeu, Xenoblade Chronicles 2 prouve ici être un jeu fantastique, mais pas sans quelques soucis. Tout comme le premier jeu, Xenoblade Chronicles 2 nous invite à visiter l'intérieur de plusieurs titans qui habitent dans un monde couvert par un fort brouillard. Étant donné que ces titans sont énormes, il y a des villes, des prairies, des grottes et tout ce que vous pouvez imaginer, construits sur et dans leur corps. Cela peut surprendre et nous couper le souffle, surtout quand on regarde l'horizon et on voit que nous sommes juste un petit personnage dans un monde gigantesque. Le tout conduit par un titan qui marche alors en temps réel. Si vous avez joué aux premiers épisodes, ce n'est pas une suite directe à l'épisode originel. Les personnages sont totalement nouveaux, ainsi que les lieux, les combats sont totalement modifiés avec des mécaniques différentes, ainsi qu'un gameplay totalement retravaillé lui aussi, permettant ainsi d'avoir une sensation de découvrir une nouvelle licence. Comme nous parlons un peu de l'histoire, il faut dire que Xenoblade Chronicles 2 veut et raconte une intrigue totalement différente de l'habituelle, avec une série de personnages charismatiques et uniques. Les fans d'anime se familiariseront assez rapidement avec le style de l'histoire et même les modèles de personnages qui utilisent une caractéristique culte de l'animation japonaise. L'histoire souffre de quelques temps morts et toutes les missions ne sont pas totalement claires, voire amusantes, mais rien qui devient frustrant ou irritant. Il y a toujours la présence d'une boussole qui nous aide à suivre le chemin principal ou à trouver l'emplacement de certaines missions. Étant donné que le monde est grand, vous pouvez toujours vous téléporter à une zone déjà découverte, ce qui nous facilite la vie dans certaines situations où nous sommes trop loin de l'objectif ou que la zone où nous sommes actuellement est bien trop élevée pour nous. Heureusement, le jeu ne nous punit pas trop lorsque nous nous aventurons trop rapidement dans les zones à risque. Nos personnages sont rapidement téléportés avant leur mort pour nous permettre de reprendre l'aventure rapidement. Les combats de Xenoblade Chronicles 2 est un mélange entre des combos de personnages et un système d'attaque direct dans le style d'un MMO. Les ennemis apparaissent et se battent dans la zone où nous sommes, et tout cela avec l'éventualité que d'autres puissent se rejoindre à la fête, à tout moment. Les combats commencent comme quelque chose de simple, mais à mesure que des nouvelles fonctionnalités sont introduites, la stratégie commence à être plus importante et créer des combos entre les personnages ou relier les attaques spéciales commence à être bénéfique, surtout contre des ennemis et des boss plus puissants. Un élément qui change totalement le rythme et le cours des combats sont les Blades, créatures vivantes qui accompagnent nos personnages principaux et qui sont en réalité des catalyseurs du pouvoir. Les Blades peuvent être utilisés dans un type élémentaire précis parmi tant d'autres et peuvent être changés même pendant le combat. Chacune ayant leurs capacités et des synergies différentes. Il est possible de suivre les faiblesses de nos ennemis avec une attaque qui crée une réaction spécifique et ainsi vous demandera de vous adapter. En dehors des combats, les Blades peuvent également utiliser leurs compétences personnelles pour vous frayer un chemin, enquêter sur des coffres ou rassembler du matériel. Comme vous l'avez peut-être deviné, Xenoblades 2 est un RPG grand format, typique, avec beaucoup de choses à faire. Avec l'espace proposé par le jeu, les missions secondaires, la possibilité de développer le commerce dans différentes zones, cela nous ramène à plus de 100 heures de jeu, sans atteindre pourtant pour autant le 100%. Vous ne manquerez pas d'exploration ni d'aventure. Vous voulez plus d'expérience? Allons donc tuer du monstre. Besoin de plus d'argent? Plongeons dans la brume et récupérons des butins de guerre délaissés. Même si je suis un grand fan du mode portable de la Nintendo Switch, cette fois je dois dire que Xenoblade Chronicles 2 nous propose une meilleure expérience lorsqu'il est joué à la télévision. Rien ne vous empêche de jouer de façon portable, car le jeu fonctionne bien, mais les phases de gameplay et certaines cinématiques deviennent encore plus majestueuses à la télé. Au niveau graphisme, c'est un jeu puissant qui montre une fois de plus la puissance de la console, malgré ses maigres composants hardware. Le scénario est travaillé et les détails aussi. Malgré cela, il y a des textures qui font quelquefois douter de l'efficacité du moteur graphique. Certains ralentissements jouent sur la fluidité et un flou de l'image sur de longues distances gâche quelque peu l'expérience. Le design porté sur l'anime, dans la conception des personnages, s'avère être un plus puisqu'il parvient à apporter un dynamisme et une personnalité aux personnages encore plus travaillés que sur le premier épisode, notamment à travers leur expression faciale. En ce qui concerne la bande sonore du jeu, on peut compter sur une bande sonore exemplaire et totalement fantastique, avec toujours autant de magnitude et impact comme dans le premier épisode.
les voix aussi bien en VO qu'en anglais par exemple, vont de bonnes à mauvaises. Un peu à l'instar de Final Fantasy XV, certaines voix manquent de punch, alors que d'autres marquent par leur singularité et leur charisme. Si la Nintendo Switch a fait un sans faute cette année, Xenoblade Chronicles 2 ferme la marche avec fierté. Et c'est une bonne raison de mettre la console sous le sapin de Noël ou d'offrir à sa console ce jeu. Comme prévu, nous avons ici l'un des grands jeux de cette fin d'année, et un RPG d'excellence. Même si rien n'est parfait et que certains moments sont gâchés par les bugs, dans l'ensemble, c'est l'un des meilleurs jeux que vous pouvez vous acheter pour la Nintendo Switch. Mais ça ne sera pas mon jeu de l'année.